وين سيدي دي توالين تي كيو 5 وذم بوساكي دوينك نسواه من اكو نسواه من اك شكون اليوم قبالي تي دير نتموت ني قبالي يعني تيزي وزون ذا سلماد توتلاي ثانجليزيت ماشا يشم من دار مسكلا هاث اورجين اقبالي انك كي ولا هاث هو سوما ثان تفرق تو كافا وتسنا اللي منقار تسكلا تافونتيزيت ما نزبتي انك قبالي تشكور ولا شي ثكا كي راه مسلا كي غورنوت نوات انوميا لا فونتيزي لا ديستوبي ديون الصنف انت جاي نتسكلا اكتوسنن لدغا غير بريطانيين لي زونجلي لي امريكا ارثا كان نلقى كي ني با سكير ذوين ذوين كاع نظن السالو تيك تمزرو ادي لي وذلي الصغاف فونش تاكي في ذا سكلا فونتيزي سنا فونتيزي سوف سيي وكين ذا دالي دالي ماينير ازوف لك دالي ازوف لك مس رشيد تنميت نون فون عروض كيا ايوا كندنا ريوس قسينون صافي كان كرون بليزير أكين يتواليم هذا اللي ساكين يسان أزول لي ماغو فامبير دان شكين عندنا وين أمسلاي فلاس نكذ دالين يورا سوتلاي تا فرانسيس سينير أسك سينير مزوارو تزوارا الدالين إناب كنا كي كي سوزل دان واث دالين داني أم كي أمكي شمط أندا كين تسكيلا الليتيراتيور الزوف لاوني في كلت نظام الزولوك وذا كي يغدي توالين وذا كي يغدي سمح سيسن ألور دالي جو سوي إن كذا سلمات تثليث تانجليزي في زي وزو أمشي دان يصدر تزوالا دونك صار يا لونغلي في سداويث مولود ثما مار في زي وزو أمين طان في الانستيتو انترناشونال مانيجمنت مقارن لانسي مي في زي وزو أو كذا ليكول ام ال اس سكول. Et donc, en plus de l'enseignement d'anglais, c'est une passion qui est l'écriture. Donc, c'est un gosmilière des lycées, très jeune, en étant adolescent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Thiren Nino, elle est plus penchée vers les lecteurs adolescents que vers les lecteurs enfants, dans les lecteurs adultes, si je peux le dire. Alors, donc, je suis vers des lycées. De tout temps, depuis mon âge tendre, j'ai une imagination très vaste. À chaque fois, par exemple, j'ai lu une histoire, une dissertation, je le fais toujours avec plaisir parce que je suis quelqu'un qui exprime beaucoup plus les idées par écrit. Ça ferait mener au médecin ou donc à partir de là au lycée à l'université j'ai développé la passion à guerre donc terreur des histoires j'imagine des scénarios et puis livre les magos vampires le premier livre Nino et il souffra et je coupe mais le premier livre Nino et Yurir mais on aurait un autre roman plus volumineux que ça c'est un autre roman de fantasy et vrai être publié un peu plus tard. Donc, on est offert d'ouvrir cette publiée, il est un peu volumineux, entre 400 et 500 pages. Donc, offert plus de facilité à publier un livre de Guillaume Ago Vampire, qui est de petits volumes, 70 pages. Et puis, l'appétit vient en mangeant, Inch'Allah, soit qu'il y ait un de ce fort livre de Guillaume qui est plus volumineux, qui est toujours dans le domaine de la fantaisie. أكان أمس دالين ذاكن إلا وقبل كان لذغا سقوس نكين قونا قونا يشد لنا روسي زغق توسكي أمبريمري أكو خطر الكارض غلاي ماشي داني سألون داني ثلاي إلا وقبل وايض ذاكن نكوني نسي قبيليا كاكيس سيمازيان تفاقتو قفاس ومتان ونوغا ثانيومي نتثقي ذاكين تسكيلاك من قرار fantaisienne d'être la dystopie aller vers entre la fiction et le réel sur une telle hauteur a fait matcher à tassi glan imbrayen de sanfakina gala tizet d'entendre plus les générations thaqdimin donc je vais le préciser qui par exemple je suis smith tsnader les éditeurs j'avais 19 ans 20 ans ça fait très longtemps donc les écrivains de renommée, sans citer leur nom, des éditeurs de renommée, j'étais sur Alger.
روحها دون دي ميزون ديديسيون لي اجي دو غوند ميزون ديديسيون من بعد جو لوري بروبوزي لي سيري كينو سادير لا فانتيزي اكسيتيرا بون لي شي ديني نقارني توجور الها باش كيقلي كي جون تارو سي اون بون شوز اون تون كوراج اشكو لا فانتيزي هي سي با ان جور ليتيرير كون كوني لي جون كي ناميس نفهم سو بلا سي كوا il confond entre la fantaisie qui s'écrit avec Y à la fin, qui est un genre de fantastique et de science-fiction, et la fantaisie qui s'écrit avec AIE, donc c'est un genre hilarant, etc. Donc, ils confondent déjà. Mais ça, la contradiction, c'est quoi? La fantaisie en Algérie, on ne la connaît pas, or que Harry Potter, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Vampire Diaries, dans Le Monde Narnia, oui, on sniffe un livre qui est les films. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à définir le journée. Le journée, c'est en pratique. C'est l'un des choses. Puisque Harry Potter, où je suis Harry Potter. Ça, Harry Potter, c'est de la fantaisie. Précisément, la low fantaisie. Donc, je vais te faire la fantaisie, c'est quoi? C'est le développement du fantastique. Donc, le fantastique, c'est un genre littéraire. Les littéraires en Algérie n'ont fait au GAFA. Alors, le fantastique, Jules Verne, Jules Verne, Roma. Ça, en fait, le fantastique, il s'est développé dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et aussi aux États-Unis. En fait, développé une terrain. Un genre plus vaste que ça qui devient la fantaisie. Il y aura le livre. Et la fantaisie, c'est à deux genres littéraires majeurs. C'est à la high fantasy des choses, c'est un genre littéraire. L'histoire se passe dans un monde imaginaire, c'est-à-dire les lieux décrits dans le livre sont des lieux qui n'existent pas, c'est l'imagination. Edgar, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, un de l'histoire se passe dans la Terre du Milieu, qui est une planète imaginaire qui n'existe pas. Bon, bah, donc les lieux Niglendina, ils n'existent pas. C'est ce qu'on met la high fantasy. On met là la low fantasy. La low fantasy, en français, vous pouvez dire la fantasy basse. La high fantasy, c'est la fantasy haute. La low fantasy, c'est l'histoire se passe dans un premier temps dans le monde d'Aguenna. En bête, dans une deuxième partie de l'histoire, elle se passe dans un autre monde parallèle. Et Karamzia, où le film Le Monde de Narnia, où il les livres, parce que c'est une adaptation de livre, de roman, Le Monde de Narnia, de l'écrivain C.R. Lewis. Écrit dans les années 40. Donc, l'histoire se faisait en Angleterre, des petits enfants lèvent de la chambre en scène. Ensuite, il y avait une armoire à travers laquelle, si on la franchit, on va découvrir un autre monde. Donc, ça, c'est le low fantasy. Et quand The Everything, le Harry Potter, l'histoire se passe dans un premier temps en Angleterre, il est de Croix-Mise, c'est de l'Angleterre. Et puis, à un moment donné, il se trouve dans un autre monde parallèle, Death à l'école de Poudlard, donc on découvre un autre monde. Ça, c'est la low fantasy. On bat l'an dernier plusieurs sous-genres. Par exemple, c'est horror fantasy, tout ce qui est vampire, zombie, etc. Les histoires paranormales, etc. C'est urban fantasy, c'est l'anglais, ça veut dire. L'histoire se passe uniquement dans une ville. Edgar Amvia, Spider-Man, Spider-Man, c'est de la urban fantasy. Et c'est un genre très répandu dans les pays anglo-saxons. Et puis, déjà en France, les Français, la fantasy a fait ses premiers pas dans les années 90. C'est-à-dire, avant les années 90, il n'y a pas un écrivain français de fantasy. Donc, je sais qu'il y a même des Français que je me dis un peu tard, parce que les années 90, c'est pas trop loin. Et l'Île-Djahir, il est en train de faire ses premiers pas. Et ce que j'ai remarqué, les générations Guide Zinkeren, que ce soit dans leur lecture, chez Karen, que ce soit dans les films qu'ils regardent, que ce soit dans les jeux qu'ils jouent, ils sont tous branchés vers la fantaisie.
Raison pour laquelle Farsi pour promouvoir encore plus le genre littéraire guébèche, les nouveaux, enfin, les prochains, les futurs écrivains de fantasy, ou Tefnelatas Orvel, au contraire des éditeurs qui vont les accueillir sans faciliter la tâche. أكيد النير أكيد النير تنت دالي تغزي ذا سالون وكنا تد أد كرتسو ثان كي ثمينو ثاي أي أيش من الصنف كي نغ ثقي ثكي تسكيلان أكيد توسنن ذكي ذي الأمريكان لذغان كالكندا ياك لي بي أنجلو سانت Exactement, أنجلتير exactement. سوفون توليان ميوران أتاسك تيرون تاكيان أياكي أو تاكيت مدفن تيرن لارنيان أو باتر Harry بوتر Potter, Harry Harry Potter. Potter ou Spider-Man, souvent les écrivains, les romans sont ou tiennent ce succès à la fois en tant que film, autant que livre. Ok, c'est ça. Tu de la dystopie, fiction et réalité. Tu as été inspiré. تذيان تتبن كانت ديدران سبوس يزرين نخلطون هذي روش دو جلي 22 صافي كيس بوس كنين شال تمس نخشالن تمس كي يمشو من بارتون كابيلي و تجان ثير وحين نمثان نجموثون و تجان لافون لافلور تشيني سي سات لا سوس دانسبيراسيون دو ديزاكيني كنغالا Vous résidez au Québec ou vous comptez immigrer? Le Centre de formation Trade Union vous offre des formations en ligne, diplômantes et admissibles aux prêts et bourses en lancement d'une entreprise, vente conseil, comptabilité et vente de voyage. Trade Union est pour moi une seconde famille, un personnel très accueillant et très professionnel. Grâce à la formation de Trade Union, j'ai réussi à ouvrir ma boulangerie ici à Montréal. En 10 ans, nous avons accueilli, formé et encadré plus de 5000 étudiants et nous sommes très fiers. Avec Trade Union, profitez de l'expérience d'une équipe professionnelle et disponible en tout temps. Trade Union de votre réussite, une meilleure façon d'avancer. Donc, Béchet se ferme une autre fois. Tout d'abord, c'est un métier qui vous sourcille à guerre. Donc, la fantaisie, elle reste toujours fidèle à la réalité. Et la preuve, ce que j'écris, Kiné. Contrairement au fantastique qui est généralement ce qu'on appelle la high fantasy, c'est-à-dire c'est un monde complètement imaginaire, mais la fantasy elle reste toujours attachée à la réalité. Donc, une fiction, c'est Guide Sephora, les mangos vampires. Effectivement, j'ai été inspiré par tout ce qu'on a vécu en, non seulement en 2021, mais toutes les années qui ont dit l'intimsiwin. Parce que je suis quelqu'un qui est très attaché à la nature. C'est une partie de mon esprit, de mon âme qui brûle. Alors, mais plus particulièrement, ce qui s'est passé en 2021, parce que l'origine de Gmzouria, qui est mort la Kvaïl, la ville d'Air, Soumetha, nous avons un petit peu de temps, d'un mot, l'Eivet, le Seigneur Forbir, des milliers d'hectares à l'Aran. Donc, livre Giv d'Air Digitaire en 2019. Même si vous êtes très lourd, voilà les réseaux sociaux, use l'image, voilà Fidouf, une singe maman, qui portait son petit bébé, et son petit bébé, il était mort, complètement brûlé. C'était pendant la période du festival racontard des villages Sahel des Bouzguen, il m'a né au Sénis, le Thémoukhaïl, et ces jours-là, il voilà l'imaginiste circuler les réseaux sociaux, ça nous a tous choqués. Alors, j'ai imaginé une vengeance, Nerar Sewen, sur l'être humain. Donc, il y a des gens qui les animaux, d'autant plus le singe, l'être humain est un point de sans pitié inégalable. Donc, il peut s'exprimer. زمرد الجاز زمرد الهضار زمرد يارو زمرد الشتية صحيح غير صيون يعني ثنيون وزمان لا تهضر وزمان لا تنتقد دونك اطراف لي فريغينو سنتقخ ثنيت في كاس لا فوا في كاس نتاغش وكدين ندش ثني قرحن اي بيان سور دون ليستوار نيو لان كينو دون ما فيكسيون
les magots vampires. Donc, l'un de ces singes magots, à la fin des incendies forestiers en 2021, مسخسيس مسنيه وفند د ولي سي شاتشن كل شرا ولي وصلت شرا ولي لي زانيمو ولي تي بيستيو ولي سي شاتشن alors ils étaient extrêmement affamés يون ديرسن الى في dans une grotte dans la montagne du Djurdjura vers Njarjar il était dans sa grotte on va dire la grotte ni on قارن dans un endroit on قارن la grotte froide de الجهه ni la main des juifs Saltat, Karas Kaveli Saltat. Donc, il est dans le nez, il voit une chauve-souris. Voilà, il a garçé un venez. Mais il est l'ose, il a dit n'importe quoi. Un venez, mais il est l'ose, il a dit qu'il a dit. Donc, la chauve-souris, c'était le dernier recours. Il devait manger quelque chose, il n'avait pas le choix. Et la chauve-souris, il paraît que la chauve-souris, elle était de l'espèce des chauves-souris vampires. Qui existe dans la réalité, c'est pas de l'imagination, mais il y a une espèce de chauve-souris carnassante, les chauves-souris vampires qui s'attaquent aux vaches, aux moutons, parfois aux êtres humains et sucent leur sang. C'est pour ça qu'on parle des chauves-souris vampires. Donc, Mitchell, la chauve-souris, elle a transformé à son tour en singe vampire. Donc, j'ai expliqué ça dans mon livre de manière scientifique. Bien sûr, ça reste de la science-fiction. Mais la science-fiction, c'est il y a une partie de scientifique attachée à l'imaginaire. Donc, j'ai expliqué ça. Comment est-ce que le singe s'est transformé scientifiquement en vampire, mais ça a toujours de l'imaginaire. En fait, une fois, il est devenu singe vampire, un magot vampire. Juste pour ouvrir une parenthèse, le magot, c'est les singes qui sont des villes d'Aïr, l'Afrique du Nord. Les magots, c'est une espèce de singe. Donc, le magonir, Mekarn Makovit, c'est l'antagoniste, le personnage le plus maléfique de l'histoire. Makovit, c'est Mago plus Covid. Donc, j'ai créé ce nom. Il va contaminer les autres singes autour de lui, les autres magos. Et puis, une fois, ils sont très nombreux. Ils décident ensemble de s'attaquer au village d'Ornel Fuder, Vranet Darn Tsar. Je crois, Vraiment d'exterminer toute la race humaine sur Terre. C'était leur projet. Dans leur subconscient, dans leur conscience, ils savaient que l'être humain, il se bat d'une manière ou d'une autre. Même ceux qui disent c'est à cause du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique en lui-même, c'est l'être humain qui le cause à cause des gaz à effet de serre, à cause de la pollution, etc. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'être humain, c'est ce que nous avons. Donc, par exemple, le Covid de 2020, comme l'industrie de Havus, comme les voitures ne circulent plus, comme donc, la couche de zone sur la tâche d'être, les océans, l'eau des océans est pure, la nature a repris ses droits. Pour vous dire que l'être humain, il nuit plus à la nature qu'il la sert. La nature, ce qui est couluche, et je compte à cause de ses ambitions, à cause de ses folies, il est en train de nuire à la nature et de causer de gros dégâts. Et nous, si on est à 40 degrés de l'onde, c'est de l'imaginable. C'est-à-dire, c'est d'imaginer. Il y a quelques décennies en arrière, mais 40 degrés de l'onde, à cause des réchauffements climatiques. Donc, je suis à et si je m'agonnais, je suis à etc. Ils vont tous attaquer les humains, tous les mordre, et plus les humains sont mordus, plus ils se transforment en magots vampires, et la race humaine est en train de disparaître. Et puis voilà, donc les néobandes, ils vont pas faire la différence entre les bons humains et les mauvais humains. Pour eux, vous êtes un être humain, vous êtes coupable. Ils sont, c'est-à-dire, subitement, comme la race humaine qui est devenue menacée d'extinction, Freud, Youth, qui est Sathevreuse, une brave guerrière, Mouismar, Cilia, une brave guerrière des montagnes, qui est d'origine Simsleinik, affrontera le grand seigneur de Mago Vampire au fin fond des ténèbres et tentera de sauver le monde. Des hommes. Oui, il faut en avoir un ami qui dit la moche de qui est d'aller.
سلمتك ثم قرنت في سقسيقينك دونك بيتني دون توت لي زيستوار دون تو لي رومون دو فانتازي يا توجور دي هيرو دي هيروين سيت فواسي سي اون هيروين تمطوف تقبيليث اديرو لين سي تدرتيس غواضيه دونك انت تصليس نواضيا اديرو فيلاج اهل الحسن كوثيانيا اهل الحسن كوثيانيا امك انت تصوضي غات نقول تدير مثل الحسن غواضيه هكا كوثيانيا هكا كوثيانيا امشي داروا خاطر انت سي تدرتيس اي على فيكو ان درام On a vécu un drame. Elle était dans une de ces nuits du mois de décembre 2021. Il y avait un groupe de magots vampires qui ont attaqué la région niwadrienne, Thedderthis. En fait, les magots vampires qui ont attaqué Thedderthinsen, il y avait son frère. Son frère qui s'est transformé en magot vampire parce qu'il a été mordu. En fait, il m'a saigné subconsciemment, même s'il était devenu magot vampire, il était dans un autre monde. Subconsciemment, il a reconnu les repères de sa maison. Donc, il est sur le toit de leur maison, il est soufflé le toit de Bouhamensin. On va dire que c'est un chiste, où elle a un magot vampire sur le toit de leur maison. Pour protéger sa fille et sa femme, et comme n'importe quel père de famille, la priorité c'est de protéger l'île. Parce qu'il s'est transformé, il est devenu un monstre. Il prend un fusil, il a tiré sur lui plusieurs balles. En bas, il a atteint dans le cœur, il a relié sur le toit, il a relié en haransen. Le moment où il redevient un être humain. Le corps, il redevient un être humain. Et c'est à partir de là que son père s'est rendu compte qu'il a tué son fils sans se rendre compte, par erreur. On va dire, Master Seuf, il était choqué, il ne pouvait pas bouger. On va dire, Cilia, l'héroïne de l'histoire, Ultmes, elle s'est rapprochée de son frère qui s'appelle Amayes. On va dire, il lui a chuchoté un secret. Pour mettre fin à cette malédiction, il faut tuer le premier magot qui s'est transformé en vampire. Donc, on est qu'il est-ce que vous que vous nommez ce Magovid Magovid, exactement. Magovid, c'est un jeu de mots, il y a un Magog, le Covid. Covid, parce que je suis mort de limiter le Covid. Je suis mort d'avoir la chauve-souris, parce que la pandémie du Covid-19, on nous a raconté dans les médias, donc une version à laquelle je ne crois pas, l'examen soi-disant chinois, il tient une chauve-souris, il lui a transmis le coronavirus, il a contaminé les autres. Ça, c'est ce qu'on nous a raconté au début. Qui n'est personnellement la version Gashko, elle m'a inspiré. La version Gashko, parce que je m'en suis l'imaginaire. Comme fiction, et d'autant plus, puisqu'il y a des chauves-souris vampires qui existent dans la nature. Donc, tout ça est de Soswedra, le contexte livre Nino, le mythe des vampires. Alors, Migmouth, s'il y a quand elle a perdu son frère, donc, pour se réfugier de Gwethiani, parce que Gwethiani, c'est encore de l'Hakna. Donc, Nardina, en attendant, ils ont été accueillis par les villageois, etc. Parce que ils se sont réunis pour décider de faire les magots vampires qui arrivent aux portes. Alors, pendant la réunion, Cilia a intervenu. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Alors, elle a intervenu. Le secret que son frère, qui était magot vampire, lui a chuchoté. Pour mettre fin à cette malédiction, il faut tuer le seigneur Makovic, le premier qui a mangé la chauve-souris, né, s'est transformé en vampire. Elle a mis au courant le village, le secret Esdinagmes. Et le lendemain, ils ont fait une autre réunion pour décider à la main des Juifs, parce que son frère, c'est là où il réside. Alors, la main des Juifs,
qui se trouve au sommet du Jura, Nigne Fouassi. Exactement, Nigne Village, etc. Alors, ils ont désigné 50 hommes, donc c'est dans, et dans ce livre, il y a plusieurs croyances, Alors, il a désigné 50 hommes pour aller affronter le seigneur des magots vampires. Et puis, s'il y a, et là, je marre le côté féministe dans, dans l'histoire, Mais c'est compté. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et là, j'ai un peu assimilé le personnage néant. Dihia, la reine Dihia, Lela Farmen Soumer, Jamila Bouhiret, c'est-à-dire toutes nos héroïnes de l'Afrique du Nord, Tinhinen. Donc, elle a proposé, je vous défie un par un. Et qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a motivé? Parce qu'il voulait sauver son amoureux. Son amoureux qui a été vampirisé, il est dans la montagne, dans la main du juif, elle voulait le sauver, c'est-à-dire son fiancé. Donc il y a une histoire d'amour dans, dans le livre Akir. Donc elle ne voulait pas que son fiancé, son amoureux, lui arrive la même chose que son frère, Nis Avroha, je dois sauver mon, mon âme sœur, mon amoureux, quelles que soient les circonstances. Ou Yinas Evdemzouel de Yessen, et puis elle a proposé des duels, Nis. Je suis combative et je vous prouverai sur le terrain. Et puis le Cheikh Ted Daphne a fini par accepter le, c'est-à-dire la proposition. Elle les a tous défiés. Elle, les, elle a eu le dessus. Badou Hemenvix, Tantof Farlvergezen. Et à partir de là, ils ont accepté finalement qu'elle, qu'elle les raccompagne. Et à travers le livre, l'histoire, c'est elle qui jouera le rôle déterminant, Tantof Nier. Donc, باش الدنيا لو كوني دو تو طون فيه 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 ما نكمليت شكون لقى لقى تي دار الامرايين نتغرى نزيدين اسكندريه اسكندريه سيون غان نكشم سكي توش على كرويونس ريليجيوز تنميتي تو سكي توش على كرويونس ريليجيوز سي لا ليبرتي ريليجيوز لا ليبرتي دو كونسيونس ام سي زريض الكوميون سمو في القبايل سي لي سبيري كابيل لي سبيري كابيل وي سي سا اكزاكتومون كيل فو فريمون بريزيرفي باسكو سي ان اسبري universel, voilà. Un esprit universel, et il y a une thmoura développée, la tolérance, la, la liberté de conscience, etc., la liberté du culte. Donc, de l'histoire, il y a Cheikh Ted Darth, c'est un marabout, on me parle Zemzien, donc ça, c'est le côté musulman qui représente l'islam. Cheikh Ted Darth, c'était un homme très sage, très posé. Un soufi, exactement, ouais. Exactement, un soufi. Et mon grand-père, le Séafoubé, c'était un soufi. Il était comme ça, c'était un philosophe qui est né en Fréha, et les origines, nous, Maouladi, Allah s'en s'en bouthiennia. Donc, Athlah Senok Théorith Mimoun. Gousmé Adam Stort, donc automatiquement, on est influencé par l'entourage, c'est par des gens qui bookinent, qui parlent de culture, de littérature. Donc on m'a imprégné les choralagis donc c'est une bonne chose. Et on va essayer de faire en sorte d'imprégner ça de, pour les générations qui vont venir. Donc, c'est un musulman, dans Malavo. Il y a un personnage secondaire qui est chrétien, c'est Jésus-Christ. Et le personnage principal, Cilia, l'héroïne, elle est juive, dans l'histoire. Elle est de confession juive pour deux raisons. Pour deux raisons, pourquoi est-ce que Cilia est juive? Tout d'abord, c'est pour se débarrasser de cet esprit antisémite. Parce que si on est antisémite, on sera automatiquement islamophobe. On sera automatiquement, c'est-à-dire on sera alphobie pour tout ce qui est différent de nous. Même y compris qu'on le fait, les pourtant qu'on veut ça, la tolérance, mais une grosse chouille d'armée. Par exemple, pas toi des qu'vais,
Ça, c'est une insulte pour les Juifs. Je me suis toujours posé la question, c'est qu'il y a un site car historiquement, il doit avoir une raison. Dans... Exactement. Je pense que c'est un héritage, un mauvais héritage, il faut le dire, parce que ils ne sont pas démunis des choses négatives. Quelles que soient les raisons historiques, mais on ne peut pas généraliser. C'est généralisé, en général. Donc, même s'il y a un incident, puis de Narnar, il y a un événement historique, Isnijen peut-être, à un moment donné, Karanoudayen, mais ce n'est pas une raison à trim des langages nord du quotidien, il y a une toile de chemin des restes, parce que dans tissu de Bavari, on a des chemins des restes, ou des chimiques de la Kveli, narche. Donc, ça c'est d'un côté, pour dire aussi où les musulmans, les humains, tous les peuples du monde, donc il n'y a pas de. Il ne faut pas faire le. Oui. Ça c'est une question d'être humain, c'est-à-dire la colonisme, la religion, ça n'a rien à voir. Et de l'autre côté, et dans l'histoire, il y a la main des Juifs. La main des Juifs, Faltat, c'est un symbole qui m'a toujours inspiré. La main des Juifs, je contemple le paysage de la main des Juifs et je m'évade. Ça me donne beaucoup d'inspiration parce que c'est magnifique de voir une main naturelle au sommet de la montagne. C'est une sculpture naturelle incroyable. En fait, Gosmi Adam, je t'ai imaginé à des histoires qui sont en Karoyo. Et puis, sur cette agoniste, j'ai introduit la main des Juifs dans mon imaginaire à travers le livre. Donc, la main des Juifs, c'est un endroit dans le livre, un endroit maléfique. C'est là où se base le royaume des magots vampires. Donc, et comme c'est un endroit maléfique dans l'histoire, j'ai imaginé qu'il y ait des interprétations des antisémites la main des Juifs. Il a décrit la main des Juifs comme étant un endroit maléfique. Donc, il voulait dire que les Juifs, c'est des gens qui représentent le mal. Donc, pour ne pas faire plaisir à ce genre de pensée morbide, j'ai créé l'antithèse. L'antithèse de Gide Schutz, l'héroïne de l'histoire et des confessions juives, pour faire barrage ses pensées antisémites, puisque je suis antisémite, puisque mon héroïne elle-même est de confession juive. Donc, l'endroit numéro la main des Juifs, c'est un endroit maléfique, mais sans allégorie, c'est juste de l'imaginaire, et c'est juste une inspiration et du Saint-Gerkorio, sans que, sans vouloir toucher, enfoncer Uzaïn, et la preuve que mon héroïne est de confession juive. Ce qui m'a encore poussé, ce qui m'a motivé, c'est l'héroïne inutilisée en texte de confession juive. Et troisièmement, Hakund Imzoura, Ibn Khaldun, il Kahina, plutôt Dihia, elle était juive de confession avant qu'elle n'embrasse l'islam. Et puis le judaïsme, c'est une religion du sein de l'Afrique du Nord avant le christianisme, avant l'islam. Et puis, comme déjà le personnage, c'est une assimilation, etc. Donc aussi, ça m'a motivé, parce que c'est une idée de confession juive. D'accord. Les trois religions monothéistes, et tous ensemble, ils vont combattre ensemble contre un seul ennemi. Et donc voilà, le message, c'est d'accepter l'autre. Et même si il faut que la croyance, la religion, ensemble plutôt, voilà. Donc vous pouvez partager votre quotidien, votre vie, votre combat ensemble sans aucun souci. Akan, nous sommes tegaran, mais zamelan. وين زرتي دانود وكيف صاف لس وما جات أن كنت حواجد فوز لي سكين يقول أمرو دالي وين مسمى لي ماغو فامبير ديفرنت غرف زرقين ميديا اندكس توليم
تاولا في تاكي زعما في دارهم ولا يا عطاتك التواليم ذي الاقرار لا دار 400 دينار كي هذو الاقرار مزنا في دارهم يوكني هذا شنو قلنا لك زين يعني اس مورون دي تشوغن دي ليماجيناسيون انسن كي زعما الصاد كي غادي دار نوض دالين على سيدولي نو تاغارا تنمير سنين اطاس ميت في كاتاغوني تاغيا نظهر فودليس نينو انا في كيف نينو دونك جونكوراج لي جون لي ادوليسون بوكو بلوس لي انفون اوسي à la lecture et je profite encore de l'occasion pour c'est-à-dire je lance un message aux éditeurs en Algérie d'ouvrir carrément la porte vers la fantaisie sninerblik attas les jeunes qui écrivent ktelouna qui ont les nouvelles générations sont très branchés à la fantaisie, c'est une occasion. Donc il faut s'ouvrir vers le monde. C'est un genre littéraire universel. Et donc voilà. Et le vampire, par exemple, les vampires, ça fait pas partie de notre culture. C'est un mythe qui appartient à l'Europe de l'Est, plus précisément à la Roumanie, qui devient plus tard universel. Et la fantaisie, c'est un moyen de s'accrocher aux cultures dominantes et pour que notre culture subsiste et résiste. Donc on s'accroche à l'universalité de la culture et en même temps on préserve notre culture. Donc dans le livre, par exemple SSN, il y a beaucoup de symboles qui nous appartiennent et qui donnent c'est-à-dire au mythe in Sénégalais dans l'universel. Donc c'est ça aussi la fantaisie. Et donc je lance encore un message aux éditeurs et des jeunes écrivains à publier de la fantaisie et aussi j'encourage beaucoup les jeunes à Vraron, même si ce n'est pas de la fantaisie mais le Qaraïa elle ouvre toujours l'esprit, elle alimente l'imagination, l'intelligence. Donc le Qaraïa est un autre fait moura, un autre fait manna. Autrement, on sera perdu. Ok. Donc, il y a un dernier et des Nansin Iznan, deux messages. Yewen, et Ocham, nous sommes les maisons d'édition, au Knir, Alfkin Tevra, Simura, Ishvan Dali, au Knir Tsukuran, et Zlissensen, Zakifitama, Dakin, Varan, et Tsekhtevra, et le Mazin, au Knir, Adraran, et Zlissen, Ishvan, ou Gadakin, Kini, Ken, Yusintemouth. أدلين ذولا خان يكون كذغير ثوران تسكيلا تقبلي تسنغني ذا عشريس بوسنا كيثي دين قورا كيثي دين الطاهر أول دامار مرور إنك بلطاتك تيرون تقيري كيس قبلي نسيرا ما أبا قوسان أدلي سكيد يتوس قل ناتس كذك كير إز أزرف يون زمان أتي دي تقل أتقبلي نغا كير أدلي C'est avec un grand plaisir. Le cas d'affaire, on était traduit. C'est très valide. C'est encore un grand plaisir. Déjà, je l'ai traduit moi-même en anglais. Peut-être je vais voir les éditeurs Vagina ailleurs. Et donc voilà, pourquoi pas Srevelith, c'est encore plus original, puisque déjà l'histoire elle se passe chez nous, c'est le nord, l'ismaun nord, etc. Le nord. Donc, ce que vous allez encore, ce sera plus original. Inch'Allah, d'affaire, quand on a fait traduire, c'est avec un grand plaisir. اكيد ان هذه الهمه مثل الشغل الانجليزي ثاني لا دغ ما الى زياد يعني فاسن امريكانيين نالي كنديان لي لي انجلي اتمن شكي هذا في ضخم انه سي زغك ذكي دي الامريك اتي دي سوفران هذه ماشي وس نات از ما ديو قالوا هذا سيرو ان ولي دي نتفليكس ها زياد تصيد دينا شو عطيت تخدم ضا الفيلم ناس سا روفيان با مو بروبوزي مو جو جاكسبت اتاني هي دليل يقبل ويني بانا ديال لي ماغو فامبير ديسيرو ايلين غيرز مليح مليح كان النساء الثقه سينيرتن ميرسي دالي تنميرسي
ثمرتينك ثمر سلوني مرة وثمر سكو ذيك يردي ولن وتفن لي ميشون هاكيا نسالم تاجفاسن تذول تاكي ماثي نوين نكون مسيد قيمنا وندينيخ قيمات ذي ثالويث